Alors, coucou tout le monde, je voulais faire une petite vidéo parce que là, je viens d'avoir plus de 100 abonnés. Waouh! J'aurais mis 15 ans à avoir 100 abonnés. C'est pas mal, moi, je trouve, voilà, c'est correct. Non, mais c'est cool. Après, je sais que les abonnés regardent pas toutes mes vidéos, mais voilà, c'est cool que j'arrive à avoir un peu d'abonnés. Je suis content. Voilà. Après, voilà, normalement j'aime pas trop montrer ma tête, mais bon, voilà, pour réussir, pour percer, il faut un peu montrer son visage. Donc j'ai à me plier un peu au truc, voilà, du vlog, un peu, où tu montes ta tête, voilà. Après, j'ai un appareil photo, enfin un truc pour faire des vidéos, c'est pas terrible, parce que pour y a un écran à moitié pour se regarder, enfin, c'est pas génial. Mais bon, bref, enfin bon, c'est du blabla complètement useless. Mais voilà, j'étais content d'avoir 100 abonnés. Après, j'ai fait plein de vidéos. J'en a que je trouve que, voilà, sont pas reconnues à leur juste valeur. Après, moi, c'est des vidéos qui me faisaient marrer sur le moment. Après, je trouve que le trip Roger, triclo, là, ça tourne un peu en rond. Faut que je trouve quelque chose de nouveau, là, un truc un peu novateur, soit un nouveau perso à inclure dans le truc. Parce que Jessica, voilà, Jessica, elle est dure à gérer, elle part souvent en couille un peu. Mais bon, voilà, je me suis bien amusé en faisant mes vidéos. Après, si j'ai commencé à faire ma chaîne, des vidéos de jeux vidéo, et puis des vidéos où je parle beaucoup, parce que c'est vrai que je parle beaucoup, ma foi, c'est parce qu'il m'est arrivé un truc, voilà. Après, je vais pas dire quoi, mais voilà, il y a un truc qui est arrivé dans ma vie. Et j'ai eu besoin de m'exprimer après. Je sais pas si c'est une bonne chose ou je sais pas si c'est une mauvaise chose. J'avais besoin de m'exprimer un peu, quoi. J'avais besoin de m'exprimer sur plein de choses, essayer de faire rigoler les gens. Après, je me rends compte qu'il y a plein de façons de faire rire les gens. L'improvisation, c'est quand même chouette parce que vous pouvez, voilà, avec des petits trucs, vous pouvez faire marrer. Mais après, c'est l'improvisation, c'est des trucs qui durent pas, quoi. Ça fait rigoler une fois ou deux, et puis après, vous rigolez plus quand vous l'écoutez. En même temps, c'est un peu le truc du rire, quoi. C'est marrant une fois ou deux quand vous regardez un spectacle, et puis au bout d'un moment, même si vous appréciez de re-regarder le spectacle, vous trouvez pas ça très intéressant, enfin, pas très marrant, quoi. Voilà. C'est le truc du rire, quoi. C'est à usage unique, un peu, quoi. Voilà, les blagues sont à usage unique. Après, les blagues, c'est pas pareil, parce que ça peut être raconté différemment, suivant les personnes, vous voyez, voilà, quoi. Enfin, bref, je sais pas trop où je voulais revenir. Mais voilà, j'ai vu plein de trucs sur Internet cette année. J'essaye un peu de regarder tout le monde, parce que comme avec YouTube, on est un peu bloqué dans des... comment je dirais l'algorithme vous bloque dans des boucles de vidéos, et puis vous tombez tout le temps sur les mêmes créateurs de vidéos, c'est un peu chiant, ça. Alors, il faudrait que vraiment YouTube fasse une fonction pour trouver les petites chaînes. Voilà, et à chaque coup, YouTube te propose que des chaînes à 500 000 vues. Alors voilà, t'as pas envie forcément de regarder la même chose que tout le monde, tu vois, t'as envie de trouver le petit... C'est un peu comme YouTube, c'est quand tu cherches un filon d'or, tu vois, t'es là en train de fouiller dans les... tu me tapes des mots et tout, des mots-clés pour trouver un truc marrant à regarder. Bon, après, voilà, il y a trop de contenu, comment je dirais... C'est pas assez trash. Moi, je trouve ça manque de trashitude un peu. C'est le mode punk un peu. Voilà, il n'y a pas beaucoup de punk sur YouTube. Faudrait plus de punk, un peu plus de liberté. Et je dis pas au niveau de la vulgarité ou je sais pas quoi, tu vois. Mais voilà, faudrait que les gens puissent délirer des choses simples. Après, je me disais aussi que, par exemple, tous les vidéos qu'il y avait, comme notre sœur Antoine Daniel, là, qui prenait les vidéos les pires qu'on trouvait sur Internet, ça a un peu freiné les gens, quoi, sur le fait de s'exprimer et dire n'importe quoi dans la vraie vie. Parce que tout le monde se disait, putain, du jour au lendemain, je peux me retrouver sur Internet, finir comme un mème ambulant et de la risée de tout le monde. Donc, voilà. Alors, tout le monde s'est crispé. Voilà, déjà ça c'était pas bon pour la liberté d'expression déjà là. C'est vraiment le truc qui a tué tout le monde quoi. Tu te dis parce que franchement si on m'avait filmé il y a 20 ans pendant que je prenais mes cuites et tout que je picolais pas mal, franchement je serais passé pour la risée absolue de YouTube quoi. Enfin vraiment ça aurait été l'horreur quoi. On m'aurait vu dans des états pas possibles. Franchement c'est non non non
J'aurais pas voulu voir ça. Et je me demande pas s'il y a pas un effet comme ça sur YouTube, en fait, où les gens ont peur de. Dès qu'ils voient une caméra, ils font Ah non, non, dégage, dégage. Enfin, en même temps, généralement, quand tu fais la teuf avec tes potes, t'es pas là en train de balancer des caméras partout pour filmer la moindre connerie. Ça sera un peu, voilà, un peu sadique et puis un peu dégueulasse. Mais bon, voilà. Après, maintenant, les gens sont un peu spéciaux aussi. Bon, voilà. C'est l'évolution du monde, quoi. Donc voilà, donc ma chaîne YouTube, je fais mes jeux vidéo, moi je parle des jeux vidéo que j'aime bien, après je me répète un peu, et puis je fais pas les sorties parce que voilà, il y a trop de jeux qui sortent, et puis ça coûte trop cher. On va dire que je suis un fumeur, et forcément, les jeux vidéo, plus le tabac, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, quoi, donc je peux pas me permettre d'acheter. Des jeux neufs toutes les semaines, et puis voilà, je suis pas milliardaire de toute manière. Mais voilà, j'ai passé des bons moments sur ma chaîne YouTube, même si je fais pas beaucoup de vues. Après, moi, je faisais de la musique avant, et des fois, tu joues devant 50 personnes, 20 personnes, et c'est déjà impressionnant. On se rend pas compte quand on fait des vidéos. Parce que je voyais un gars, ça m'a fait marrer, il était en train de parler de sa chaîne YouTube, Le mec qui regardait ses métadonnées, tu vois, il était passé de je sais pas, 500 000 viewers à 150 000, quoi. Alors le mec était en panique totale, quoi. Mais c'est dingue quand même de se dire que 100 000 viewers, enfin, bon, quand t'arrives à un stade, forcément, tu veux rester au même stade, je comprends. Mais voilà, 150 000 personnes qui te matent, mais c'est même pas la taille d'un stade, c'est trois stades de foot entiers qui te matent, quoi. Ou je sais pas, ça devrait être suffisant quand même en matière de matitude. On est bon là. Après, voilà, c'est des chiffres. Après, je sais pas, les mecs font essayer de faire des bifs avec leur YouTube. Enfin bon, c'est le monde de maintenant. Tout est commercialisable et tout est commercialisé. Après, il faut pas s'étonner que l'amour n'existe plus vraiment. Hein, dans un monde où tout est payant, forcément, l'amour, ça disparaît vite fait. Plus les sites coquins H24 en trois clics. Voilà, c'est le. Voilà, tout est réuni pour que l'amour disparaisse, la générosité, vous voyez. Le truc, parce que l'amour, ça rime quand même avec générosité, avec le don de soi, avec le sacrifice un peu, quoi. Pour un bel amour, il faut un peu faire des efforts un peu, quoi. Et je pense que les gens attendent trop aussi. De l'autre, et puis en se disant que tout doit venir de l'autre, ça marche pas comme ça. Voilà, moi je suis en couple avec la même nana depuis 16 ans, voilà, c'est du boulot, il faut faire des efforts, faut se remettre en question. Des fois, faut stopper la console. Voilà, tu stoppes la console quand la mise est là, quoi, pour pas qu'elle se fasse trop chier, tu vois. C'est un peu le problème des gamers, ça, franchement. Et puis je voyais le gars là, il y a un gars que j'aime bien, il s'appelle La Patience ou un truc comme ça, quoi. Il avait pris des bouts de vidéos d'un mec sur TikTok qui disait comment s'occuper des femmes, mais vraiment d'une façon. Bah en fait, ça m'a fait marrer parce que quand t'es au pieu avec une nana, c'est un peu comme ça que ça se passe, mais le gars doit pas avoir trop l'habitude de ce genre de délire et il hallucinait d'un truc qui est assez normal en fait, quoi. Mais après que tout soit, comment dire. Mis sur la toile et normalement c'est des trucs tu t'en parles à un pote ou deux mais t'en parles pas devant 500 000 personnes quoi c'est pas normal normalement c'est pas comme ça que ça se passe quoi et puis le fait aussi que par exemple 1 million de personnes qui regardent la même chose je pense qu'au niveau synchronicité du ressenti vous voyez on regarde tous la même chose on se dit c'est pas du fascisme, mais je veux dire que tout le monde regarde la même chose au même moment. Je sais pas. Et après, c'est des communautés. Y a pas, je trouve ça assez étrange, quoi. Moi, je préférais qu'il y ait des millions de chaînes YouTube, tu vois, avec 100 vues, 200 vues, quoi, et puis qu'on puisse passer vraiment d'un délire vraiment différent à un truc complètement différent. Voilà, ça serait vraiment cool, plus de différences et plus de petits comptes. Malgré que YouTube fait des efforts, des fois il m'envoie des vidéos avec 8-10 vues, tiens, je suis tout de suite, je suis curieux, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc là? On va aller mater ça.
Bon, les trois quarts du temps, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Au moins, je préfère donner mon temps de vue à des petits gars qui débutent que bon, les mecs qui ont déjà 300 000 vues, 500 000 vues. Même, voilà, si les vidéos sont quali, moi, c'est pas trop ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain dans sa différence. Et voilà, il y a vraiment un truc de l'époque de maintenant, c'est que plus personne peut se blairer, quoi. À part si t'es avec quelqu'un qui te ressemble à 100%, là les gens sont bien. Mais si t'es avec quelqu'un qui est un peu différent de toi, c'est mort, ça passe plus, quoi. Et je parle autant des gens de droite que des gens de gauche, quoi. Par exemple, et même les gens qui sont communautaires, du style communautaire, les gens de couleur, les noirs, tout ça. Déjà, ils ont des ressentis de fou envers les blancs, mais de dingue, quoi. Et d'un autre côté, les blancs, ils sont là, comme des dingues et tout, quoi. Et donc, je trouve que personne ne s'arrange, quoi. Et en plus, comme il y a cet effet des réseaux sociaux où tout le monde est dans son petit coin, avec sa petite tribu, tu vois, de 50, 100 personnes, à dire, ouais, t'as raison, ouais, c'est super ce que t'as dit, tu vois. Et de l'autre côté, c'est pareil, en fait, quoi. Il y a l'autre tribu, c'est totalement l'inverse, mais ils sont tous là. Ouais, t'as raison, c'est génial ce que tu dis, tu vois. Alors, pour qu'on s'en sorte, là, ça va être dur, quoi. Après, moi, je rêvais, voilà, qu'il n'y ait plus d'essence, plus d'électricité, qu'on retourne un peu pas au Moyen Âge, mais une vie un peu plus rude, tu vois, où tu dois aller bu. Ben voilà, moi je pensais que plutôt que ça serait la solution à ce monde technologique là, où on est tous enfermés dans un truc assez étrange. Après, c'est la première fois de l'humanité l'accélération technologique nous a fait passer dans un monde totalement différent, avec la gène Z, la gène X et tout ça là, les gosses qui sont nés que sous Internet. Moi je suis né quand il n'y avait pas Internet, quoi. J'ai connu les soirées où personne ne sortait son portable pour filmer Gilbert qui était bourré, tu vois, ça n'existait pas, quoi. Donc voilà, c'était quand même un monde plus appréciable, quand même, parce que. Et même un truc qui me tue, ça, c'est les gens qui vont voir des concerts, des super concerts avec des lights de partout, de la déco de fou, des chorés de fou, des chansons de fou, et les mecs qui sont avec leur portable là pour immortaliser de la daube. En plus, le son il est pourri, tu vois. Il va réécouter ça, il va être là, mais c'est affreux, tu vois, il va mettre ça sur sa chaîne YouTube pour sa petite tribu de 50 personnes. Tu vas dire, ouais, c'est génial, t'y étais, mais en même temps, il vit pas le truc, quoi. Il vit pas le truc et il perd c'est 90% du concert, quoi. Quand on faisait des teufs au début, quand je faisais de la techno, mais personne ne sortait son portable déjà. Limite, des gens devenaient complètement parano dès que tu sortais une caméra, mais alors je te dis pas le délire. C'était pas du tout comme ça, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Et tu vivais la teuf à fond la caisse. Ah là, c'était bien mieux, quoi. Je suis un peu nostalgique, c'est mon côté boomer, un peu. Je suis un boomer pauvre, donc je suis pas vraiment un boomer, mais je suis un peu nostalgique quand même de ce temps-là où les gens étaient plus libres dans leur tête, où on entendait plus de conneries. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec cette peur d'être filmé, d'être filmé au mauvais moment, tu vois. D'être filmé au mauvais moment, et puis tu dis n'importe quoi, et puis on le remet en boucle sur Internet, et t'es grillé, tu vois. Enfin, t'es grillé. En même temps, t'es grillé pendant une semaine parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent tout le temps. C'est ça que je me dis aussi avec Internet, c'est que ça change tout le temps. Il y a des conneries qui sortent tout le temps. Donc, si t'es un mème, tu vas être un mème pendant 2 semaines, et puis après, tu vois. Même, je vois dans mon jeu que j'adore, la Warframe, il y a des gars qui sont spécialistes pour faire des vidéos Warframe en mettant des gros dégâts de tous les côtés. Et ils mettent tout le temps les mêmes mèmes où on voit des Renois qui pleurent et tout. Enfin, des trucs à moitié. Bon, c'est un peu ambigu quand même, comme humour, on va dire, quoi. Ou alors, c'est le gars de American Psycho, ils adorent ce gars-là. Le gars complètement indifférent, psychopathe, ils adorent le mettre, quoi. Enfin, bref, c'est tout un délire, quoi. Mais bon. Après, voilà, j'essaierai toujours de parler de jeux vidéo parce que franchement, c'est un truc qui m'a sauvé, les jeux vidéo. Voilà. Après, j'ai eu des problèmes d'addiction dans ma vie et les jeux vidéo, c'est qui m'a permis d'arrêter totalement ces addictions. Mais bon, après, les jeux vidéo, c'est une addiction aussi. Donc bon, voilà, c'est toujours le même problème. Mais bon, l'addiction, c'est vraiment un gros, gros problème.
Enfin bref, je suis pas prêt pour faire 15 ans de psycho, je sais pas comment ça s'appelle là quand tu parles à, de psychanalyse, voilà, la psychanalyse, j'ai pas le pognon et puis enfin bon bref. Enfin bref, c'était la vidéo pour les 100 abonnés, vous êtes 108 je crois, c'est génial. Je voudrais remercier tout le monde qui regarde mes vidéos, même si c'est un peu le bordel. Mais c'est ça, bon, c'est un peu genre je me la pète, mais c'est ça que j'aime bien dans mes vidéos, c'est que c'est un peu le bordel et que c'est un peu sans queue ni tête, mais voilà, c'est humain au moins, c'est pas un truc fait par l'IA quoi. Voilà, je suis pas contre l'IA parce que j'aime bien discuter de ma vie avec ChatGPT, mais voilà, ça me fait délirer de parler avec ChatGPT de ma vie, et mais tu lui dis des trucs super super intimes et tout, il est là, ouais, non, il t'envoie des liens et tout, tu vois. Franchement, ce ChatGPT, là, j'ai hâte de l'avoir en version illimitée, tu vois, ça serait trop cool. Mais bon, là, je change complètement de sujet de conversation. Donc, je vous fais des bisous. C'était Triclo pour un petit vlog à la cool. Merci les gens qui regardent ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Vous êtes vraiment adorables. Et voilà. Allez, je vous dis à plus. À la prochaine.